bas de la Palmyre. Cela nous renvoie tous aux vacances, les plages, le camping, le soleil, le zoo. Mais savez-vous qu'ici, 1700 personnes vivent à l'année, des gens qui ont bien d'autres préoccupations. Été comme hiver, les Bas de la Palmyre, c'est la commune, la halte que nous vous proposons aujourd'hui. C'est génial, hein. Et vous faites quoi, messieurs, là? On refait le balisage des sentiers pédestres, de petites randonnées, mais on rafraîchit le balisage un peu tous les ans sur certains arbres. Vous voyez, il peut y avoir du lierre qui pousse, donc on est obligé de l'arracher. Bon, alors, si j'ai bien compris, là, il faut prendre à gauche pour prendre la balade. Fait, voilà. D'accord. C'est quelle balade, ça? Alors, c'est le sentier Les Brandes, donc qui fait 3 km. Ouais. Après, on a des sentiers équestres. Donc avec des haltes chevaux, ouais. Donc on pourra peut-être aller voir plus loin. Et après on a aussi un sentier VTT, mais pour un bon marcheur par exemple, voilà, ils sont assez rapprochés les uns aux autres. Et on a des liaisons, donc vous pouvez faire un sentier de 3 km, vous avez une liaison d'un kilomètre et rattaquer sur un sentier de 4-5 par exemple. Je voulais vous demander, là, votre arbre là, vous n'êtes pas en train de le faire souffrir, non? Ah non. Non? Non, non, parce que ça se régénère et puis on gratte juste... juste l'écorce, on écaille. Alors là, on est en train de changer des bornes anti-pénétration. Ouais. Pour empêcher que les véhicules rentrent dans l'espace boisé. C'est là où c'est, le mois de mai-juin, c'est vraiment les préparatifs. En fait, vous préparez la saison. Tout à fait, oui. Ouais. Bah ici, c'est, on a plus de 10 000 véhicules. Sur la forêt de la Coupe, entre les parkings et le long de la D25, et avec plusieurs milliers de personnes donc, qui vont pour se baigner sur la côte sauvage. Concrètement, vous faites quoi là? De la conduite tout terrain sur des véhicules tout terrain légers en fait, donc, de type Land Rover, sur la plage et en forêt. Et ce genre de travail, ça, vous le faites régulièrement? Oui, tous les ans. Va falloir que vous m'expliquiez pourquoi on vous a remis ces médailles. On a coupé des patates et aussi on a fait des sucettes au chocolat. C'est l'herbe. Moi je la mange. J'ai fait des sucettes au chocolat. Mais tout avant, j'ai fait que des sucettes au chocolat. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai compris deux trucs moi. Un tout. Tu comprends pas. Dès qu'on a coupé les patates, t'as fait quoi? Dès que j'ai coupé les patates et faire les sucettes au chocolat vu que je voulais aider les autres. Là, on a un million de porcs qui vient tout droit des Deux-Sèvres avec les premières pommes de terre de l'île de Ré qu'on a reçues la semaine dernière. C'est marrant, vous me faites l'origine des produits à chaque fois parce que vous y tenez, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai? C'est important, même pour les enfants, on leur apprend à manger local, donc en même temps, on leur explique que ça vient de chez nous, quoi. Vendredi matin, on va chercher notre poisson au marché. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va avoir comme poisson. Donc on adapte notre menu en fonction du poisson que... Et vous emmenez les élèves avec vous? Ça arrive, c'est ça. Donc après, ils viennent directement les cuisiner avec nous. Qu'est-ce que tu vas en faire, toi, de ta médaille? Je vais la garder à revenir. Oui, ça je me doute bien, mais tu vas la mettre où? Dans ta chambre? Oui, je l'accroche à ma porte de chambre.